bonsoir à tous. La 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 sainte journée. Là, je vous demanderai de cesser de m'interrompre. Fastoche. Je m'appelle Brigitte, mais c'est de la folie. Ah non, non, vous inquiétez pas, c'est fait exprès, bien sûr. Moi, je dis ça. Bonsoir, Brigitte. Ah, bonsoir. Vous êtes donc bien conceptrice de site internet. C'est énorme. Merci. Tout à fait. Je m'appelle Brigitte, donc je me présente d'abord. Donc j'ai eu 29 ans, pile poil le jour de mon anniversaire, comme quoi. Ça tombe bien. La nature est bien faite. Bah, ouais. Et je suis donc également conceptrice d'un site internet de test, ouais. Qui s'appelle http://l'un/l'autre/incliné/incliné, brigitest.com. Est-ce que c'est aussi un site comme Monsieur Calde qui permet de se situer politiquement? Tout à fait. Je suis capable de dire de quel parti vous êtes le plus proche si vous me dites pour qui vous avez voté aux dernières élections. Ce qui est quand même très fort. Exemple, si vous avez voté pour Grégory, vous êtes plutôt tendance TF1, donc UMP. Et est-ce que votre site propose quelque chose en plus à vous, hein, je parle, votre bien site sûr. À vous, que le polytest de monsieur. Ah, tout à fait. Moi, mon site, au-delà du positionnement gauche-droite, va pouvoir vous positionner verticalement. Selon votre taille. C'est-à-dire, si vous faites 1m60, je suis capable de dire que votre centre cérébral se situe à 160 cm du sol. Voilà. Et inversement, si votre centre cérébral... Vous suivez ou non? Parce que c'est compliqué quand même. Ça, j'ai appris ça. Bon, bref. Si votre centre cérébral se situe à 140 cm du sol, ça veut dire que vous êtes Jean Benguigui. Voilà. Ça, par exemple. Non! Non! Non, parce que... Non, j'en parle, mais jusque-là, c'est quand même pas très révolutionnaire. On aurait pu le deviner nous-mêmes. Ah non, mais attendez-moi, mon site va aussi permettre la détermination qualitative de votre profil psychomoteur, ah. À savoir, êtes-vous un homme, une femme ou un animal? Ou les trois. Mais ça, je peux le dire grâce à une série de questions. Alors, un exemple des questions que vous posez sur votre site. Oui, tout à fait. Par exemple, bon, bah, y a une question, c'est quelle est la première chose que vous faisiez quand vous vous réveillez? Alors, petit A, j'aboie. Petit B, je me lève et je te bouscule. Ou petit C, je remue la queue. Alors, donc là... si vous répondez A, j'aboie, donc vous êtes une femme. Si vous répondez B, donc vous êtes Claude François. Et si vous répondez C, je remue la queue, vous êtes un caniche ou Jean Benguigui. Il faut, après, il y a une marge. Vous acharnez sur ce pauvre Jean, mais... Non, pas du tout. On se demande quelle est la finalité de ce test. Ben, la finalité, c'est l'aboutissement. Vous n'avez pas beaucoup de culture pour un animateur. Bref. Donc, moi, la finalité, en tout cas, de mon site, c'est qu'à l'issue de cette série de questions interrogatives, je vais pouvoir vous mettre en relation avec une personne du sexe opposé qui vous correspond. Ah. Ou à un animal. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Par exemple, ça sert à faire se marier les gens, par infinité. Exemple, récemment, j'ai fait rencontrer deux célibataires, Corinne Touzet et Jean Benguigui. Et ça, c'est grâce à moi. Verdir, merci qui? Merci Brigitte. Ah, au fait, oui. Vous avez fait donc le test sur mon site Brigitte Test et j'ai vos résultats. Merci. Donc, vous êtes un labrador femelle de gauche. Donc, faites attention. Voilà. Merci Brigitte. Donc, merci à vous. Florence Foresti. Merci beaucoup, au revoir.